Et c'est parti pour le jour 3, 9h du matin, station de Valloire, et on va reprendre le galibier, direction le Vercors. Attention, les militaires en face. Ah, c'est un peu stressant là. Militaire avec la mitraillette. On va remonter au col tout en haut du galibier. Vous pouvez prendre le tunnel pour raccourcir. Et voilà pour les deux cols du Galibier et du Lautaret. Maintenant, redescente aux alentours de Grenoble dans l'Isère pour retomber sur le Vercors. Là, il y a des travaux dans un tunnel, du coup, ils nous font passer par la route de secours RS. Et apparemment, c'est très très étroit. Allez, alors, hop, 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 adaptez votre conduite. Pas de soucis, j'ai pu dépasser tout le monde, c'est bon. Contournement de Grenoble, c'est fait. Et là, on est dans la campagne, dans des petits villages. Heureusement que le GPS est là, parce que je sais pas du tout par où je suis passé. C'est désert.
on est dans la Drôme et effectivement il y a aussi pas mal de petits virages, un paysage tout aussi magnifique. Heureusement qu'il n'y a personne en face parce qu'il est complètement à gauche, lui, avec sa deux chevaux. Descente sur Aubenas en traversant les monts d'Ardèche et ça sera la dernière étape de la journée. Avant demain, la suite donc de l'Ardèche et le retour sur Montpellier par les Cévennes.